Salut les amis, c'est Willy et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Resident Evil. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti! Mais toujours, attention, et ça bouge! Allez, c'est parti! Bon, vu l'avancement, je pense que on part peut-être pour notre dernier épisode. Eh ben, je l'avais dit, je l'ai brûlé. Voilà, il reviendra pour sûr. Par contre, au moment où j'ai voulu l'allumer, il s'est relevé. J'ai un petit peu peur. Alors du coup, ici, ouais, maintenant c'est déverrouillé. Ça brille de partout. Ah bah ça tombe bien, je devais me soigner. On l'avait vu. Voilà. Je récupère mon spray. Ok, c'est la salle à diapo. C'est des bols, ça. Comment ils sont bien intégrés au décor. Y'a rien là-bas. Ça ramène en fait. Du coup, alors, où est-ce qu'on met les diapos? Ok, je peux m'en servir ou pas? Ouais. Ah non, mais ça on l'a déjà vu, y'a rien qui change. Je les ai déjà tués. 8, 4, 6, 2. Ok. Du coup, on a libéré l'espace. Y'a un truc là. Alors, 8. 4, 6, 2. C'est bon, c'est faux. C'est bon. Clé du laboratoire, hein, d'accord. Bon, je sais bien que ça fait peur, c'est normal, c'est des zombies. Mais bon, t'es un militaire, mec, on met la vie de panique, il lui hein, tu... Même au sol, il sait se faire. Allez, vas-y, croque-moi. du coup, par contre, la clé, je sais pas où on s'en sert. Il y a encore la grande porte ou du couloir. Est-ce qu'il s'est relevé lui? Allez. Oh. Ah. Il y a tellement de recul là, t'as changé de pièce. C'est bon, les morts. Attendez, hein, la bobou c'était le PC. Ah, ok, et là. Ah bah voilà. Oui, s'il vous plaît. Il me reste un emplacement. Deux si on enlève le soin, c'est un peu chiant. Ça serait bien de utiliser les disquettes.
Et quelqu'un? Ah, c'est cool. Recule, Satanas. Tu es pas beau. Je me rappelais pas qu'il y avait ces trucs-là. Y'a rien à regarder, là? Non. Encore une. Attention, là, Satanas. Étonnamment, elle m'a pas fait crier, celle-là. Attends, parce que là, on part je sais pas où, là. Y'a un trou, hein, on rentre dedans. Ah. Ouais, bah j'en ai un, justement. Hop là, c'est rentré dans la GameCube. Ah d'accord, en fait c'est... Après c'est logique. Et d'accord, c'est un disque par machine. Ok. Attends. Il y avait quand même une porte dans la pièce d'à côté. C'était quoi la grande porte? Vous me faites tourner en rond. Descends. Et là, y'a rien d'autre. Non. Et ça ramène nous seul l'eau. Bon. Bah c'est bloqué. Bah du coup la petite porte à côté et puis bah c'est tout. Y a pas de bestiole là. C'est rouillé, impossible d'ouvrir. Ah bah c'est la porte qu'on vient de faire avec les conduits en fait. T'en vas où là? Oh bah oula comme ça. Genre il y a une porte là, franchement il faut le voir. Hein. J'aurais pas regardé le radar, franchement je serais encore passé à côté. Ok. Bah écoute, je peux trancher. Y a-t-il autre chose? Ah ça je prends. Ça sent la fin quand même, hein. Allez, roule ma poule. Y'a rien d'autre ici, on peut pas y aller. Bon, je vais garder le spray avec moi. On sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'il y a debout ici? Un ascenseur. Il faut sans doute appuyer sur l'interrupteur de droite. Oui. Appuyez sur l'interrupteur. L'alimentation semble coupée. Bah évidemment. Ça sent le monstre ici. J'essaie de faire des visées mais... truc. Oh, ça vise pas. Ah encore ou pas? Non, le vise pas. Ah, attends, j'ai envie de le tuer quand même devant. T'es où, pue? Oh. Tu fais quoi, hein? T'es monté au plafond? Elle cherche à manger! C'est quoi ça? Attention au risque d'explosion en cas de choc. D'accord? Dispositif permettant de ravitailler la salle haute tension. Ah bah c'était ça la machine qu'on avait vue. Ah bah je peux la prendre ça pour l'instant. Ok, c'est vide.
Bah ouais, mais tire-lui dessus. C'est un petit peu le but du jeu, c'est que c'est une visée automatique, donc tire dessus. Encore un. T'es mort ou t'es mort? Ouh, je sais. Non, je t'en fuis pas. Eh, tes copains, c'est une balle. Hein? Alors, tu fais pas le résistant. Ah, la GameCube. Ok, je vois, ça c'est réglé, on pourra sauver Chris. Hop, ensuite y'a quoi? Encore une bestiole. Oh. Attention, allez, oh, ouais. Oh, mais y'en a combien? Il y a un monde. Gigi, on s'enfuit pas. Tu cherches les problèmes, t'assumes. Oh mais oh. Encore. Oh tu dis. Arrêtez, je vais seulement les récupérer les balles. Alors ça fait quoi ça? Autodestruction du laboratoire est immense. C'est tout. L'ascenseur principal n'est pas alimenté en électricité. Le mettre en marche. Apparemment, il faut du carburant. Ah, d'accord. Ok. Bah, j'espère que les monstres ils vont pas revenir. Parce que bon, ça fait un peu chier quand même. Hein. C'était pas pour rien. Hein. Ah non! Eh, on n'est pas habitué à faire autant de kills, hein. Attends, hop. Parce que là, il me semble qu'on va remplir la capsule, je sais pas quoi. Sauf qu'après, je crois qu'on a plus le droit de courir. Ah ouais, du coup, il faudra que je fasse comme ça. Là, je joue avec les flèches. Faut aller doucement. Parce que je crois que normalement si on court, le moindre choc, la capsule explose. Donc forcément, on explose. Chant, ils vont nous sortir un monstre pendant qu'on a la capsule. Du coup, tant qu'à faire, je vais aller voir la porte là-bas. S'il vous plaît, excusez les leviers. Oh, t'es pas pour faire tout en même temps. Jill? Chris! You're alive! Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. Ugh, it won't open! Wait, I'll be back to get you out. Okay. No sightseeing, though. Ah! C'est pas le Chris de...
de Hero 5, hein. T'as pas encore été à la salle. Du coup, la capsule. Parce que là, le labo, c'est pas forcément long, mais moi, ça a le don de m'embrouiller, là, faire 50 allers-retours, là. Est-ce que c'est là-dedans? Je sais plus. Oh, encore. Ah ouais. J'avais pété la tête à celui-là. Oh, je sais. Faut parler à la machine. Oui. Ce carburant est principalement composé de nitroglycérine. Le fait de courir pourrait provoquer une explosion mortelle. Bon bah. Je joue avec les flèches. Ça va être très très long. J'ai pas envie de péter. Surtout que mine de rien, on a quand même avancé, tant que la sauvegarde elle est pas très très proche. Bon, pas par là. Mais t'es pas de monstre, hein. Deux. Même juste marcher, quoi, ça rebondit. Vous avez vu ce gros plan? C'était magnifique. Par contre, faut pas qu'ils arment des monstres, hein. Pas ça. Hein. C'était où? C'était là-bas, non? Dans le fond. Ah, c'est tentant de courir, hein. Ah, allez, on est presque. Voilà. Oh, faut parler à la machine. Oui. Alors maintenant, on peut aller à cette porte là et aller actionner la console. Le problème, c'est que je sais plus à quel moment qu'on prend Chris avec nous. Ça serait bête de le dire. Hey, t'es vivant. Bon, je te laisse là. Je me suis enfui avec Barry. Oh, le boucan. Du coup, on peut rien faire, du coup. Là. En vrai, là, je sais pas par où. Bon, là, on va à l'ascenseur, d'accord. Après, je sais pas ce qui se passe, mais bah, je sais plus à quel moment qu'on va le récupérer. Je dois le sauver, d'accord. Faut penser à sa sœur. Ah,
Ouais. Oui, l'accent ça fonctionne, oui. Jill! Barry! You could have at least waited up for me, you know? Let's go. Bah, c'est pas maintenant. Le jeu est en route. Écoute, je vais prendre ça. Y'a rien ici. On dirait vraiment qu'il y a un... Eh ben, j'ai bien fait le décor. Wesker. Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl. But I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seem to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Damn it! Jill and Barry, together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. No, Barry! You viral cultured freak. Qu'est-ce qu'il est bête, ce Barry. Oh, attends. Attends, on peut tourner, là. Ok, il y a un chemin. Tourne. Salut. Tu es grand, tu es beau. Tu es tout nu. T'es mort ou tu me fais une feinte? Monsieur Barry? Barry.
You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Qu'est-ce qu'il est rapide ce rampant? Il n'y avait pas une clé à récupérer à la base. Bizarre. Oui. On va pas contredire le jeu. Ok. Je sais pas où on va. Attends, là il m'a scramble. Ouais. Je crois de toute façon il va falloir faire un petit tour dans le coffre. Et récupérer le magnum, tout ça. Ah, je fouille au cas où, parce que s'il manque une clé ou quoi. Bon. Ouais, il faut essayer de récupérer le magnum. Et aller voir Chris. Wesker must have set it off. Let's hurry. Attends, mets-moi pas la pression, moi je sais pas par où on va là. Ah, peut-être la grande porte de la fontaine là. Je sais pas. Et bah où? Ah, c'est super, me laisser en plan, je sais pas où est-ce qu'on va, bah! Bon, bah, peut-être qu'on se bat. Allez, Chris, on t'oublie pas, fu. Mais en vrai, je sais pas où est-ce qu'on va là. Cherchez Chris. Jill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Je sais pas où on va. Je sais pas où on va, je sais pas. Come on, let's go. Il connaît mieux le chemin que moi. Le gars a passé sa game enfermé dans le cellule, mais ici où est-ce qu'on va? Bon. Au petit bonheur à la chance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Bon, en vrai, c'est suffisant, je pense. C'est chiant, c'est que... Ouais, attendez. Je vais peut-être faire ça. De toute façon, pour deux cartouches, ça va pas changer. Et puis bon, je pense que le magnum, il fera assez le taf. J'ai envie de prendre ça, en fait. Mettre une petite sauvegarde aussi, au cas où. C'est là donc que je me trompe. Et que... comment dire cela? Je me trompe et puis bah que on meurt, je sais pas, on a passé de temps. Bon, je sais pas si on entend là, mais il pleut. Ça tape sur mes fenêtres. Du coup, waouh, on devait aller là-bas. Come on, hurry. Ok, j'arrive les gars. Eh, criez pas, d'accord, je suis une femme. C'est là où? C'est là où ils sont? Bon. Suivons les mâles alpha. Ils ont disparu, mes copains. Non, bah les soins, écoutez, pas besoin. Ah, un monstre rouge. Bon, on va pas s'embêter. Et le pistolet dans Men in Black, ça. Criquet infernal. Ah. Oh non, t'es sérieux? Ah, ça va, j'ai la place. Pourquoi il y a des fusibles en plein milieu de la pièce, hein? Pour faire ça, autant nous le mettre directement. Franchement, le jeu. Damn it! We're almost there! Jill, you just get in contact with Brad! No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Attention Chris, hein, t'as rien fait dans le jeu. T'es peut-être un petit peu rouillé, fais un petit étirement d'abord. C'est jamais. Un faux move, hop là, c'est foutu. On perd du temps. Bon, en vrai, on est en facile, donc je pense 3 balles, il est mort. C'est quoi ça? Oui? Et on s'en sert comment? Bon. Utiliser. C'est mal de quoi faire. C'était pas là qu'il fallait le faire. Game over. Jill, you made it. Je t'ai sauvé pour ça? Ah bah oui, à un moment donné, 6 balles. Ouais, j'avais qu'une balle, monsieur, attendez. Oh ouais, da, tu les vénères, lui, ouais! Ça va. J'ai rebondi sur mon pétard. Je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il y a quelqu'un. Oh, le Père Noël. Kill it, whatever it
Ok, je vais lui montrer. Excusez-moi, je fais que me servir, pardon. Non, tu es sérieux? Bah non, c'est de la triche là, monsieur. Oh. Je suis pas d'accord là. You are dead. Eh non, normalement dans tous les jeux, tu ramasses un objet, le monstre ira de son coup. Voilà. Heureusement, on a sauvegardé. Voilà, j'espère. Je me rappelle plus. Ah, je vous dis, moi, la mémoire. Waouh! Ah, je suis choqué, quoi, le mec. Ok. Ouais. Ah, par contre, il rigole pas, lui. Oh, une patate. Faut rien d'autre. Non. Oh, c'est chiant parce qu'il faut refaire. Faut refaire tout. Oh, n'empêche, t'es en speedrun. T'as pas mis beaucoup de sauvegarde. Tu meurs là comme ça. Oh. C'est bon, je suis là, les gars. Arrêtez de crier. On connaît l'histoire. Je prends ça, même si ça sert à rien. On peut passer. Ok. Bon, les garçons, vous passez devant. Hein, y en a marre. Hein. Ouais, je sais, madame. Heureusement, on peut passer. Ta 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 do 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 do. Voilà la petite valise. Est-ce que je peux la faire péter directement là comme ça? Voilà. Tout est fait esprit. Mais en vrai. Oh, mais on peut pas esquiver, on peut rien faire. Pas la patate. Encore plus loin que tout à l'heure. Oh non, on recharge pas comme ça, c'est encore plus long. Ah! Ah non non non, bug pas là mec. Ah non. Oh wow, il a une tranchée. Oh j'ai même. Eh, hey, je suis peur dans l'inventaire. Meurs. D'aspect, il est pas grand, hein. Mais qu'est-ce qu'on se perd? Et ben voilà, encore une belle aventure terminée, les amis. C'est le moment de la mauvaise note. Jill, you did a fine job.
9h quand même. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où je restais jeu fixe, je mettais pas pause. Du coup, je pense que le temps il se cumule. Du coup, 103. 21 sauvegardes, objet de guérison 10. La clé du placard. Un nouveau costume est disponible. Vous pouvez vous changer dans le vestiaire. Même ça, c'est bizarre que je l'ai pas là. La clé, alors que bah, j'ai déjà fini de nombreuses fois. Ah bah, c'est ça en fait. Le violet, c'est en facile. Violet facile, donc bleu, ça va être en normal, rouge difficile, et puis jaune extrême, je crois. Il donne pas de notes. Je me rappelais pas. Une fois de plus, ouais. Bon, bah écoute les amis, du coup, que dire? Bah voilà, ça reste la base des raisons de Resident Evil, c'est une dinguerie. C'est vrai que j'aurais bien aimé me le faire en version, bah, la première version PS1. Mais bon, j'ai pas accès à tout ça. Donc on se rabat sur les petits remasters. Bon, bah, toujours un plaisir de le faire. Hein. C'est vrai qu'à l'avenir, s'ils le font en remake, il y a de fortes chances que je replonge dedans aussi. Mais là, pour l'instant, en raison de Resident Evil, j'aimerais bien, c'est le Code Veronica X. Parce que je l'ai pas fait des masses à l'époque. Si je l'ai fait deux fois, c'est bien. Et surtout que ça date. Donc ça serait bien qu'il le fasse en remake pour qu'on se remette dedans. Surtout que c'est Claire. Puis Claire, elle est toujours... C'est la dernière roue du carrosse. Je sais pas pourquoi, elle est pas présente aussi souvent qu'on voudrait dans les jeux. Mais bon, c'est pas moi qui fais les jeux. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune aventure sur les autres let's play ou anciens let's play. Enfin, tout ci, tout ça, quoi. Et puis, bah voilà, je vous remercie d'avoir été présent pour l'aventure. C'était Willy, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.